6h53, l'heure d'un nouveau journal avec Blazu. Bonjour Blazu. Madame, monsieur, bonsoir. Au sommaire de ce nouveau journal. Il ne fait pas de jour sans que Miley Cyrus ne fasse parler d'elle. Quels sont les secrets de sa communication? Reportage tout à l'heure. Mais avant cela, un point sur Avignon. Sur le point d'Avignon. Ça c'est fait. Il n'est pas 16h22. Toujours pas, non. Vous écoutez le journal. Ah, oui. La petite devinette du matin. Dans quel film voit-on des barres chocolatées attaquer la Terre? Des barres chocolatées attaquer la Terre. Ah, oui, 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 non, non, parce que. Oui, non, non, non. Oui, oui, oui. Ah ouais, c'est quoi? Mars attaque. Non, Twix attaque. Voilà. Le duplex du journal. Il a les boules. Voilà, nous c'est sommes bien. Aujourd'hui en duplex avec François 1er. Bonjour. Ah. Bonjour. Alors? Alors, je suis super content, j'ai donné tout ce que j'avais là. C'est quoi le classement final? Alors, Gérard 3e, ouais. Patrick 2e et François 1er. Bien joué. Et Benoît? 16, je crois. Félicitations. Hein. Merci. Bravo. Bien joué. On passe à la partie reportage de ce journal. Je vous le disais en titre, Miley Cyrus finit toujours par faire parler d'elle, soit parce qu'elle a fait un selfie à poil, soit parce qu'elle a encore léché un truc. Sandrine Gratru a glissé son micro dans une séance de remue-ménage de ses conseillers. Bon les gars, on l'a dit, c'est une frasque sur le web par jour. C'est quand même pas facile. Frasque. Ah, le selfie cul nu, ça marche bien. Ouais, mais bon. Frasque. Au bout d'un moment, les gens vont se lasser de ses fesses. Ouais, c'est pas faux. Ouais. J'ai remarqué quand on dit plusieurs fois un mot, après on a l'impression qu'il veut plus rien dire. Oui, Hervé, on bosse là. Frasque. On peut lui faire écrire un roman, non? Mais je vois pas ce qu'elle mettrait dedans. Bah, principalement des mots avec des espaces. Frasque. On l'a fait participer à une émission de cuisine. Mais elle cuisinerait quoi? Je sais pas, des aliments. Frasque. Bon, Hervé, tu nous casses les couilles là. Pardon. Tu sais pas, on en reste au selfie cul nu. Le selfie cul nu. Couille. Hervé. Ouais. T'as marqué? Mais c'est vrai en plus. Journaz. C'est vrai, c'est vrai. Rien dit. On se quitte avec cet extrait de la journée d'un commercial chez Rouge FM. Alors, à 8h30, je vois Monsieur Fèvre du garage Fèvre. À 10h, je vais boire un café avec Monsieur Pitet du garage Pitet. Ensuite, à midi, je mange avec Monsieur Meuchler du garage Meuchler. Voilà. Soyez pas surpris si toutes nos pubs sont pour des garages. On leur passe le bonjour, on leur fait une bise. Merci Blazu qui revient tout à l'heure pour les hyper news. Bisous.